à mort par la force brute. Oh. Mais laisse-moi te dire, Shinigami, que dans cette lutte de force, j'utiliserai toutes les méthodes à ma disposition. Cela ne correspond peut-être pas à ton style. Toi, tu aimes le choc frontal. Je ne m'en veux pas. Si je vois une ouverture, je tranche. Moi, que ce soit d'en haut, d'en bas ou par derrière. C'est quoi ces conneries d'en vouloir à son adversaire parce qu'il tente de gagner par tous les moyens? C'est un combat à mort. Dans un combat à mort. C'est vrai, c'était stupide de ma part, pardon. Arrêtez de parler, battez-vous! Je me nomme Sien Grant. Le nom de famille n'est pas vraiment exact, tu m'excuseras. Tiens, quelle coïncidence, mon nom aussi est inventé. Je suis Kenpachi Zaraki, capitaine de la 11e division. Alors je vous rappelle que dans la tradition Shinigami, on donne son nom à l'adversaire pour que l'adversaire sache qui l'a tué. Voilà, c'est pour avoir l'honneur de savoir qui a l'honneur de le tuer. Enfin voilà, c'est voilà. Et pareil, un Shinigami donc demande le nom de son adversaire pour si jamais il est le plus fort. Enfin, c'est surtout dans la 11e division que ça se fait. Et c'est Ikkaku qui explique ça très bien. Ikkaku Madarame. Kenpachi Zaraki et Sien Grant se battent déjà depuis plus d'une heure. Enfin, disons. Formidable, on s'amuse, hein, Kenpachi Zaraki. Dire qu'il existait dans le monde quelque chose de si passionnant. Bah ouais, y a rien de mieux, un point c'est tout. J'ai pas fait attention, il a encore son bandeau, hein. Sienne, on l'a trouvé. Il s'amuse. Voilà qui est parfait. J'allais justement vous appeler. Hein, va pas t'imaginer que t'as le temps de faire une pause. Ce serait trop dommage. Ouais, il a encore son bandeau. Zaraki. Mais non, du calme, tu as sans doute envie de continuer à profiter du combat. Hein? Ainsi, toutes les données rejetées par Sayela Poro ont été récupérées. Alors quoi, t'étais pas censé arrêter tes tours de passe-passe? Oh, mais ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est de la magie. Évidemment. On a tous vu la miniature, hein, même si je l'ai laissé qu'une fraction de seconde. Juste une question, ce bandeau sur ton œil, c'est une sorte de limitateur. De quoi? Ah tiens, c'est vrai que je ne l'ai pas enlevé. Me ferais-tu le plaisir de le retirer? Ce serait dommage de mettre fin de façon trop abrupte à ce bon moment que nous passons. Force-moi à l'enlever alors. Attention.
Les clochettes dans tes cheveux, c'est aussi pour te donner une sorte d'handicap quand tu affrontes quelqu'un de moins fort que toi. Eh bien, régis-toi, tu n'as plus besoin de te donner de handicap contre moi. J'avais pas juste oublié mon cache-œil, mais même mes clochettes, dis donc parce que je m'amusais trop. Ok, si tu veux, je vais les enlever, mais moi aussi, j'ai un truc à dire. Meurs pas trop vite. Ah. Ah voilà, je le savais, rien à voir avec les données des insectes d'enregistrement. Fantastique Shinigami, ta puissance est telle que tu contrecarrerais la malédiction de Barragan, que les crocs de Stark n'atteindraient jamais tes entrailles. Encore une fois, je te remercie, tu as donné du sens à ma vie encore toute fraîche. Qu'est-ce que tu racontes ? Ce que je raconte, c'est évident, partageons la mort de façon la plus belle encore. Parce qu'on est d'accord qu'ils se battent depuis une heure et aucun des deux n'est blessé. Ça me rappelle un champ de bataille sur World of Warcraft, ça. Ça a l'air de bien m'amuser, Sienne. Je voudrais bien participer, mais la fille aux cheveux roses a dit qu'il fallait pas déranger le type aux cheveux pointus. La fille aux cheveux... Oui, y a Chirou, bien sûr, oui, oui. Pourquoi j'ai bugué sur... Ok, oui, oui, bien sûr, oui, y a Chirou. Ah, mais le Shinigami aux cheveux longs, là, Asashino, il a joué avec nous. Oh là. Et c'est quoi ça, c'est Sienne? On nous enlève. Désolé, si je continue à manier une telle puissance, je consommerai bientôt les particules spirituelles dont je suis composé. Je vais me servir de vous pour me réapprovisionner. Bien, battons-nous de plus belle, Kenpachi Zaraki. Pas la peine de me le dire, ferme-la et profite. Oh! Des nouveaux ennemis? On n'a jamais eu cela? Akarakura.
Dites, vous n'avez pas l'impression que le ciel tremble? Ils n'ont quand même pas l'intention de téléporter toute la ville comme pour Aizen. Attendez, c'est le bruit d'une moto. Attention, danger, filez. Qu'y a-t-il, boy? Des humains qui nous attaquent? Ils seraient contrôlés? Non, ce sont des guigailles. Mais que fais-tu, boy? Assieds-toi ou tu seras éjecté. Ne vous en faites pas pour moi, faites partir la voiture. Mais, allez vite. Bon entendu, si tu penses que tu vas tomber, crie mon nom. Ils ne sont pas comme les clones créés par Saya Laporo. Ce doit être ce mystérieux Shinigami qui les contrôle. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Ah, avec son pouvoir, il a pris le contrôle de Gigai. D'accord, ok. Ouais, bah oui, pourquoi pas. C'est une idée. Et donc, ok, donc on a des. On a des espèces de yakuza. Là, je vais pas sprinter, on va voir un petit peu de quoi ils sont capables. Ils dégainent vite, de cas. C'est étonnant de voir des armes à feu. C'est étonnant de voir des armes à feu, honnêtement, c'est pas. Ouais, il y avait Stark qui avait un flingue, mais. Mais c'est assez rare les armes à feu dans Bleach. Parce que à part Stark, y a personne. On voit personne avec un flingue dans Bleach. Enfin, il me semble. Alors, il faut savoir qu'en plus, au Japon, le port d'armes est illégal, mais vraiment illégal. Hein. C'est pas. Je crois qu'il y a. Même les flics n'ont pas d'armes. Hein. Il y a vraiment que les forces d'intervention qui peuvent en avoir au Japon. Mais même les policiers en ont pas, ne sont pas armés. Donc c'est. Leur politique sur les armes à feu au Japon, c'est vraiment drastique. C'est l'opposé total des États-Unis. Hein. Ocalis, penche-toi vers l'Occident. On va gagner un peu de temps. Tournez là et sortez de leur champ de vision. Oh boy, admire my driving skill. Alors, boy, on a faussé compagnie à ces maudits terroristes. Je l'espère. Ils arrivent par devant cette fois. Pris en tenaille. Ils parlent japonais? Je crois qu'il y en a un qui a dit Shindaru, c'est-à-dire je meurs, je crois. Bon, les voix se superposent, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent. Et puis, je connais que 2-3 mots en japonais. Je sais que Shinei ça veut dire mourir. Shinderu ça veut dire je crois je meurs. Un truc comme ça. まずいしつっこいな。
Ah bah c'est cool au bout de 200 épisodes de trouver des nouveaux ennemis. Bon je dis rien, en vrai il y a eu régulièrement l'ajout de nouveaux ennemis dans le jeu. D'accord, donc les gros ont une garde, faudra faire attention. J'adore cette version de Neliel. Faudrait vraiment qu'il y ait une nouvelle version compétitive de ce perso qui sort, sérieusement. Mais qui soit vraiment compétitif. Attendez, j'aimerais faire le point. D'accord, ok. Après ça, il y aura encore un tableau. Bon, bah on continue. Hein. C'est un peu long et j'ai pas l'impression qu'on avance énormément dans l'histoire. C'est un peu dommage. Ne t'en fais pas, Boy, j'ai une idée. Non, attendez, vous n'allez pas. Mais si, Boy, rien n'est impossible quand on est un héros. Qu'est-ce que vous fichez? On est sur la voie ferrée. Si un train arrive, du calme. On est juste à côté de la gare de Kurakura Omachi. Même si le passage à niveau vient de se fermer, le train n'a pas eu le temps d'accélérer. On aura largement le temps de l'éviter. Vous avez vu ça dans un film. On est dans la réalité là. Bon, je commence à avoir le rythme pour les gérer au niveau des dashs. C'est vraiment au moment où ils tirent, faut dasher pour éviter leurs balles. C'est genre, faut les laisser clignoter deux fois et on dash pour éviter les balles. Après, pour le reste, c'est du classique. Ce train, c'est un express qui ne s'arrête pas à la gare. D'accord. Ça veut dire qu'il vient vers nous. Bon sang, on va le heurter de plein fouet. Wow. Baissez-vous.
Roca crie et un orifice s'ouvre dans l'air. La Jeanne d'Arc s'y engouffre à pleine vitesse et nos héros disparaissent du monde des humains. Avec un gros drop de la musique là. Il n'y a plus de musique. C'est... Donc elle a ouvert un Gargantor. J'ai faim, trop faim. Hein, quoi encore? Pardon monsieur, c'est l'heure de manger, alors on fait une pause. À bientôt, on s'est bien amusé. Faudra qu'on rejoue ensemble. Non mais attendez, garnement, qu'est-ce que vous fichez là? Ikaku, j'ai peur que tu n'aies pas le temps de pester contre ces caprices enfantins. Les gigailles qui s'en prennent aux petits veulent jouer avec nous cette fois. Si c'est comme ça. Et l'ancêtre Azashiro, c'est toi qui feras les frais de ma mauvaise humeur du coup. Bon. On peut avancer dans l'intrigue, s'il vous plaît? Dans le ciel de Karakura, cette femme Molo s'est enfuie dans le Garganta, c'est fâcheux. J'aurais dû faire en sorte de pouvoir ouvrir un Garganta moi aussi. Mais cet homme à la veine exubérance, ce Don Kanonji, qui est-il au juste? Il semble posséder plus de pouvoir spirituel que la normale, mais il n'est ni Shinigami, ni Kunsi, ni Fullbringer, comme le dernier Shinigami suppléant. Putain, mais vous allez... Non, mais... C'est un clown qui, oui, a un poil de présence spirituelle, mais en fait pas un... C'est qui ce mec? C'est... Il est bizarre. Il a des pouvoirs. Mais non, mais c'est Don Kanonji, bordel! Calmez-vous! C'est un pitre, c'est tout! Aïe, aïe, aïe! Mais sa force spirituelle reste insignifiante. Merci. Il sera vain de lui consacrer une seconde de plus. Ah. Profitons-en pour étendre le périmètre de ma fusion. Cela prendra un certain temps. Contrairement à la Soul Society... Oh, excusez-moi. Contrairement à la Soul Society, où tout n'est que particules spirituelles, fusionner avec le monde des humains et ses réceptacles demande des efforts. Quoi? Les Arrancars se rassemblent. Je pensais qu'ils avaient filé dans le Garganta.
Que compte-il faire? J'ai un mauvais pressentiment, il faut que je les brûle avec du Kido. Bon, retour sur des holos. Au moins ça, on connaît comme ennemi. J'ai dit ça sur un air de reproche, mais en fait, non, hein, je trouve ça super cool qu'on ait des nouveaux ennemis. Hein. Franchement, hein. C'est super. Par contre, on saura toujours rien sur. On saura toujours rien sur l'origine des Picaros, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont nés naturellement, est-ce que. Est-ce qu'ils ont été créés, est-ce qu'ils sont. Est-ce que c'est une. Est-ce que c'est un Arrancar particulier qui s'est divisé, est-ce que. Vu qu'un Arrancar est capable visiblement de se diviser, comme l'a fait Stark, est-ce que c'est un Arrancar encore plus puissant que Stark qui s'est divisé en 100? Enfin, on sait pas trop. On n'est pas tous là. Les autres sont avec Sienne, et on dirait qu'il meurt de faim. Il doit beaucoup jouer avec eux, alors, dites dans cette ville, c'est là-haut, dans le ciel, qui a le plus de particules spirituelles. Pourquoi dans le ciel, d'habitude, c'est dans les temples et les sanctuaires? Ce serait pas mieux de manger les monsieur d'avant au lieu d'aller dans le ciel? Moi, j'ai pas envie de les manger. Bah pourquoi? Ils ont protégé certains d'entre nous. Ah, alors c'est des gentils, c'est mieux de ne pas les manger. Bon, par là, ça a l'air bien, on y va tous. Choucheria. Conforme à ma théorie, comme je le disais, les étudier plus avant, c'est pas une priorité. Ils absorbent les particules spirituelles, je suppose. S'ils peuvent envoyer des particules spirituelles à distance, il est logique qu'ils puissent s'y en attirer. Il y a de multiples exemples de Zanpakuto capables d'absorber des particules spirituelles dans la Soul Society. Par exemple, Arazomeshigure. Arazomeshigure, c'est déjà. Je sais plus c'est lequel de Zanpakuto. Bon. Voyons, qu'est-il arrivé à cet Asashino après ce repas? Observons avec attention. Ah, et ben on touche à la fin du chapitre. Il fut un temps où les luttes de pouvoir qui opposaient les nobles de la Soul Society étaient plus violentes qu'aujourd'hui. Le clan Asashino avait gagné une place dans la noblesse grâce à ses talents en escrime et en kido, mais s'était ensuite appuyé sur les affaires pour assurer sa position grâce à de vastes ressources financières. Sa prospérité ne dura pas, d'autres nobles lui voulaient qui voulaient s'approprier les richesses des Asashiro, conspirèrent et, sous couvert de fausses accusations, firent condamner à mort le clan tout entier. Les membres du clan affaiblis par leur longue négligence ne purent résister et furent exterminés un par un par les holos. Seule une jeune femme fit face bravement.
Ne t'en fais pas, Soya, je te sortirai d'ici, quoi qu'il en coûte. Tu dois vivre si vis et deviens un puissant Shinigami, Soya. La jeune fille se battit vaillamment. Face au garçon, un énorme holo couvert de blessures, et dans la gueule du monstre, le corps de sa sœur, les dents plantées dans le ventre, le dos à un angle impossible. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Ma sœur est morte et je suis vivant. Non, c'est impossible. Pourquoi elle et pas moi? Ce jeune garçon, le dernier survivant, a cessé de pleurer et semble s'être décidé à se battre. Applaudissons-le. Lâchez le holo suivant. Le Yujolo, lâché dans la fosse, fonça vers sa proie tétanisée, toutes dents dehors. C'est à cet instant que quelque chose se déchira dans l'âme du garçon. Ok. Alors, on en entend parler de ces fosses au début de. Vraiment quand. En fait, quand Ganju et Yumichita se battent, on en entend parler. Alors, et le petit, le holo, ne relève pas la tête, on ne voit rien. Il s'est fait dévorer tout cru, voilà tout. Rien d'amusant là-dedans. Quelques minutes passèrent et les nobles rassemblés jugent donc que le garçon avait été jugèrent donc que le garçon avait été dévoré. Tandis que les spectateurs se lamentaient de cette conclusion décevante, ils tombèrent soudain de leur siège droit dans la fosse. Que quoi? Et oui, c'est à ce moment-là que je me suis montré à toi pour la première fois, Ken. Ce qu'on s'est amusé, je revois tous ces types hautains et dédaigneux qui se sont mis à hurler et à sangloter quand on les a attaqués, toi et moi. Mais ce genre d'idiotie, moi, je ne déteste pas. Alors, c'est avec le plus grand soin qu'on les a éliminés un par un.
Un garçon erre dans le Rekongai, seul et pensif. J'ai eu beau massacrer ces nobles de toutes les façons imaginables, ce n'est ni le salut, ni le soulagement espéré. Je me souviens de ce livre du Seireitei. Il disait « La vengeance ne donnait jamais rien de bon. » C'était la vérité. Je les ai tués, je les ai fait tant souffrir. Mais tout cela était vain, inutile. Je les ai mis à mort pour rien. Pleurer, souffrir, ça ne fera revenir personne. Ma sœur ne reviendra pas à la vie. Deviens un puissant Shinigami, Soya. Que dois-je faire? Ouais. Eh ben, vous savez ce qui se passe, hein, comme à chaque fin de chaque histoire. Eh ben, on va se faire le petit timelapse. Je vais juste couper l'enregistrement. Si j'ai l'occasion, je mettrai ce timelapse à la suite. Et après, on fera les tirages. Donc, soit c'est là à la suite, soit ce sera l'épisode suivant. Ce sera juste timelapse et tirage. Voilà, il y aura un épisode pour ça. Quoi qu'il en soit, je coupe là et je vous dis à tout de suite. Thank you.
Nigeki Kessatsu. これ以上レコモンドに干渉しないなら、私たちが敵対する理由はないわ。 Putain, j'ai oublié de remettre mon micro. Je suis désolé. Donc super content d'avoir 2 sacs étoiles en plus. Je disais, voilà, j'hésitais à faire des tirages, je voulais pas vraiment. Et puis finalement, je me lance dedans, voilà. Bon bah, chance. Hop, on va relancer une loterie, comme ça, voilà. Comme ça, je dépense mes orbes. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié de relancer mon micro. Après le timelapse. Toshiro. Non. Oh bordel, encore Zangetsu. Mais je l'ai 2 fois, bon. Ah, mais si, j'ai des... Oh, mais j'ai encore des nouveaux 5 étoiles. Ok, donc j'ai... Guirico. La version Hulk de Guirico. Et Kamamura. Et donc oui, je disais Néliel, bon, vous, je l'ai lu malheureusement sans le micro, mais voilà, c'était, bah, c'est la Néliel d'après la guerre sanglante de Milan que j'ai eu. Donc voilà, c'est la Néliel dont je parlais pendant l'épisode, et donc un hasard, hein, et je disais, elle est magnifique, elle est magnifique, elle a, bon voilà. En même temps, c'est Néliel adulte, hein, évidemment. Elle est magnifique. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui sera je ne sais pas quand. Et comme ces 2 épisodes, là, voilà, vous allez en avoir un lundi, vous allez en avoir un mardi. Et maintenant, ce sera comme ça.
ce sera quand ça sortira, quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt.